Bonsoir à tous et bienvenue sur YouTube, bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream, j'espère que tout le monde va bien. L'anniversaire des 1 an de Epic Seven est enfin là. On a enfin des news depuis le temps qu'on savait qu'il allait y avoir quelque chose mais qu'on avait rien, on vivait dans le noir. Et chaque jour sur le stream je me prenais la question du hey, « Eh Fortune, y'a quoi pour l'anniversaire ?» Ah, j'en ai aucune idée, je suis comme toi. Je sais pas. Donc, l'une des très bonnes choses qu'on a avec cet anniversaire, c'est que tous les jours, on va avoir 10 free draw. Donc, comment ça va fonctionner la vidéo? C'est que chaque jour, je vais faire mes 10 invocations et ensuite, je compilerai tout ça. Et c'est la vidéo que vous êtes en train de voir normalement maintenant. Donc, la vidéo sortira au complet, total, bien plus tard. Voilà. Donc, ah, on est lancé, hein. On va attendre mon Grigri là. J'ai pas mes Grigri parce que c'est pas des ML, mais je fais confiance. On a 10 invocations, j'aimerais vraiment faire revenir Corvus. Et si possible, un petit ML 5 étoiles, une Crimson Army, un ML Selector. Ah, vous savez, on veut des grandes choses. Donc on va y aller doucement, hein. On commence. Y'a rien du tout, mais y'a un lag, donc je sais pas trop quoi penser. Y'a... Ah, ok, je me disais, y'a plusieurs trucs là, je comprenais pas. Garde royale de Taranor. C'est pas grave, allez. Oh! Ah! C'est Hermine, ML Selector! C'est Hermine, ML Selector! Transforme-toi! Apparais! Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh! Oh mon dieu! Dark Corvus! Ce n'est pas le ce n'est pas Corvus Fire, mais c'est Dark Corvus! Oh mon dieu! Allez, on continue! We are... Oh, oh là là, c'est tellement bon! Oh, c'est Dark Corvus, je suis tellement refait! Oh là là! Merci! Merci Smilegate! Merci pour ces 10 rolls. Merci beaucoup. Ah, Dark Corvus, mon dieu. Oh là là. Il peut rien avoir, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, on a niqué la game, c'est bon. Tu peux me donner que des 3 étoiles maintenant, c'est pas grave. J'ai eu ML Corvus, je suis refait, ça c'est fait. Si j'ai un autre, si je peux avoir un nouveau ML 5 étoiles, moi je serais bien aussi, hein. Je dirais pas non. Hein. Allez, il me reste 2, on va y aller doucement. On respire, on prend... Il faut Corvus là, il faut Corvus normal là. Allez. Ok. Un petit... Allez, allez, un petit Corvus normal là. Un petit Corvus normal là. Allez, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de bien là. On peut finir avec quelque chose. Enfin, quelque chose en plus. Allez. Non. On dirait que non. On dirait que non. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, parce que on a eu un ML 5 étoiles. Oh, je suis encore choqué. Oh, je suis tellement refait. Yes! Donc, ça, c'était les premiers tendros. C'est le deuxième jour, on est parti pour des nouvelles invocations. J'ai réussi à faire un miracle dans les 10 premières. On va espérer recommencer le move sur ce coup-là. Je tremble un peu maintenant que je suis lancé dans ce business. Donc 10 invocations, le but, réussir à Loxac. Tu ne sonnes pas s'il te plaît, le but c'est réussir à Loxac. Donc c'est parti sans plus tarder, on se lance. Coucou YouTube, coucou le stream. Bim. Ok, on a rien, il y a un petit lag comme la dernière fois. Ça voulait rien dire, mais là, peut-être qu'on va réussir à refaire un miracle comme avant, là. Go. Non. La dernière fois, c'était là où il y avait eu un miracle. Mais bref. Les Dream Joker. Ouais, peut-être que cette semaine... Peut-être que sur ce coup-là, on va rien sortir, mais on vit quand même avec l'espoir d'un drop meilleur. Oh, ça brille. Violet. Violet, tu pourrais peut-être venir à la maison. Ah non, c'est un artefact. Qu'est-ce que ça peut être comme artefact?
Ok, Water Origin. Dommage. Allez, on continue. En outre, allez, c'est bien. Violet, viens à la maison, Violet. Viens à la maison. Ça, c'est un autre artefact. Encore une fois, 4 étoiles. Ok, Dose Devil, je l'ai pas encore terminé. Dose Devil, il est pas maxé chez moi, donc ça me plaît. Un petit ML là. Allez, pour le plaisir, un petit ML 4 étoiles, 5 étoiles, Selector et tout. Il reste 3 chances de Loxac. Nous pouvons faire quelque chose. Non. Nous pouvons réussir à faire quelque chose. Il reste 2 chances de Loxac. Nous pouvons repartir avec un 5 étoiles. Quelque part. Je sais qu'on l'aura. Je sais que cette dernière invocation va me donner quelque chose de bien. Je le sens. Ça sent très beau. Allez. Go. On a rien eu, c'est pas grave. Enfin, rien eu. On a rien eu, j'exagère un petit peu. Il y a quand même eu 2 artefacts 4 étoiles. Donc, ok. Ça va, ça va. On rebalance les choses, c'est pas mauvais. C'est non plus pas trop ultra bon, mais... Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. De toute manière, j'ai pas le droit de pas être content parce que c'est quand même des invocations gratuites. Alors, on continue. On va continuer la session d'invocation. Dans un instant. Re tout le monde, on est à nouveau là pour des invocations. Donc nous sommes sur le 3ème jour. Et on va voir si on peut réussir à Loxac. Donc c'est lancé. Si je peux ressortir un ML 5 étoiles, je serai un homme refait, un homme reform, un homme lucky. Donc c'est le moment de lever les bras, de tendre un peu de votre lock vers ma direction. Car on est lancé. Pas de proc pour le moment. Mais il y a toujours à chaque fois un petit lag quand je commence à faire ça, et à chaque fois ça me met un peu la pression. Donc on va continuer à appuyer en priant pour un ML, pour un truc qui brille, pour un Corvus. Corvus, reviens à la maison. Un ML, Selector. Crimson Armin, ça me plairait bien, vous voyez. J'ai beaucoup de demandes, hein. J'ai beaucoup de demandes, je sais. Mais pour l'instant c'est pas très bon, hein. C'est que du 3 étoiles. Est-ce que j'ai gaspillé toute ma loc sur les premiers Tenro de l'anniversaire? Ça a l'air d'être un peu le cas. Nous allons arriver à 5 avec 0 proc. Ouais, 0 proc. Je crois que celui-ci, ça va être le proc du calme-toi, Fortune. Tu demandes peut-être un tout petit peu trop. Reste zen, respire. Faut arrêter d'exagérer. Hein. Je prie un tout petit peu. Laissez-moi prier. Ah! On a un proc au moins. Corvus, viens à la maison. Je vais te respecter si tu viens à la maison. Ah, c'est un artefact. Quel artefact ça m'intéresse? Un Rose Argana, ça va encore. C'est bien d'en avoir plusieurs. Il y a beaucoup de personnages qui aiment en avoir. Et ouais. La gridance d'un homme. Nous n'arriverons pas à faire un miracle aujourd'hui à nouveau. Quoique. Peut-être, qui sait? Oh, ça lag, c'est un héros. Violet, viens à la maison. Je sais. Ah. Oh. Ça va. Ah, je suis content. Tenebria faisait partie de ces persos que je voulais depuis tellement longtemps, mais là elle arrive très très tard, donc je sais pas encore si j'arriverai à l'utiliser, mais je suis heureux, je suis content. On a réussi à Loxac, we did it. Il manque plus que Cermin là, vous voyez, un petit proc ML. Allez, ah, allez, allez, là c'est violet là, allez, ah c'est violet, c'est sûr. Ça a transformé, ça a transformé, viens par à gauche. Non mais pas, dommage, j'ai peut-être un petit peu trop demandé là. Oh, attends, Magara. Je l'avais terminé ou pas? Je sais pas si j'avais maxé mon Magara Tom. Mais nous avons terminé. Et nous avons obtenu quand même un... Pas un ML 5 étoiles, hein, c'est pas ça. Mais on a eu un nouveau héros, Tenebria. Et laissez-moi aller checker juste vite fait si mon Magara Tom il est maxé ou pas.
Si mon Magara n'est pas maxé, ça me remet... Ah, il est maxé. Bon, ça me permet de commencer à en monter un deuxième, donc ça va. Nice, 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 nice. Donc, les derniers rolls, j'en ai rien eu, à part du 4 étoiles. Et là, on a réussi à Luxac à nouveau. We did it, Twitch chat, we did it. Et we did it, YouTube. Donc, c'est le moment de locker la demoiselle. Et comme je vous l'ai dit, c'est un personnage que je voulais depuis longtemps, mais que c'est arrivé. Elle vient hyper tard, donc je ne sais pas si j'arriverai à l'utiliser maintenant. On verra bien. Sur ce, la suite des rolls, bah ça continue. Rebonjour à tous, on est au 40e, à la 40e invocation, je crois bien. Et donc, on va voir si on peut continuer dans la lignée de la Loxacry. Pour l'instant, les totos sont bons. Hein. Alors, j'espère réussir à sortir quelque chose de bien aujourd'hui aussi. Petite parenthèse rapide, sur mon reroll, j'ai réussi à sortir BBK. Est-ce que j'étais un peu dégoûté? Oui, complètement. Donc, BBK, viens à la maison. Non, d'accord, autant pour moi. Ça m'en prendra. Bref, il faut, bon, comme d'habitude, toujours C-Armin, Corvus, un ML Selector, un ML 5 étoiles, comme ça, vous voyez. Je suis pas un homme compliqué, moi j'aime les grandes choses comme tout le monde, donc je me contenterai que de ça, vous voyez. Maintenant, je vais commencer à juste demander un proc, hein, vous voyez. Je vais commencer à demander au moins juste un petit proc. Pas qu'on termine sur du full 3 étoiles, vous voyez. Mais c'est Armin, ça me ferait vraiment tellement plaisir, ça. C'est le mob que je veux depuis longtemps. Même si elle se fait nerfer, je pense qu'elle reste toujours viable. Donc, ça veut pas proquer. Je crois qu'hier on était dans le même business. Est-ce que ça va être le fameux roll only 3 étoiles? Au moins, laisse-moi avoir un truc. Un truc là, maintenant c'est bon là. On part dans la négociation là. La négociation, juste un truc. Un. Vous voyez? Un proc. Non? Non, toujours pas? Toujours pas le game? Ok. J'ai pas invoqué aux heures habituelles, donc parce que malheureusement j'ai trop occupé avec autre chose après. Donc, je sais pas, le jeu n'aime pas que j'invoque aux mauvaises heures, et résultat, ben, je suis en train de le regretter là. Et c'est la dernière. Maintenant, on va lancer la prière. Quelque chose. Là, maintenant, je demande juste un truc. Allez, au moins on finit avec un proc, et pas que du full 3 étoiles. Go! Ah! Au moins un proc, voilà. Voilà, on finit pas complètement en full 3 étoiles. Maintenant, si ça se transforme, ça peut être mieux. Ça se transformera pas, c'est pas grave, c'est du 4 étoiles. Artefact, ça m'embête un peu, je voudrais Corvus. Ah, et en plus, Elfist, c'est pas non plus l'artefact que je joue à fond, même si, entre parenthèses... Ah, il est joli, il est très très joli, le personnage de Elfist. Bon. Le résultat de ces invocations est pas oufissime. C'est le moins bon de la session pour le moment. On va voir comment ça va se dérouler à la prochaine. On est de retour encore une fois pour les 10 invocations du jour. J'ai perdu le compte, donc je sais plus où ça en est. J'imagine que si je suis pas trop flemmard, je vais mettre un petit compteur là-haut. On me dit que c'est le 50e roll, donc 50e roll, j'imagine. Donc c'est parti. On va espérer avoir quelque chose. Hier, ce n'était pas la gloire. Donc on va voir si on peut avoir un petit ML 5 étoiles. Un petit proc 5 étoiles, vous voyez, le grand classique, on veut des grandes choses. Hein. Je suis un homme à un grand cœur, je peux accepter la loc. Pour l'instant, on part dans le classique, hein. Y a rien du tout. On est en train de glisser gentiment. Hazel. Allez. On y croit. Toujours pas de proc, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu un peu de chance quand même avant, mais je voudrais continuer à avoir quelque chose, si possible. Ah, voilà. Au moins un proc. Un héros? Transforme. Oui! Violet, viens à la maison. Viens à la maison, Violet. Je sais que tu veux venir. Doublons Lucas. Ok. Ok, ça va. Ça va. Elle n'est pas encore 6 stars, la mienne, donc c'est parfait. Ça me va. C'est parti, on continue. Doublons Lucas. Elle était pas 6 stars, donc ça me va. Et c'est un personnage que je veux 6 stars.
C'est juste que malheureusement j'ai d'autres priorités actuellement, donc on va voir. Allez, encore une fois quelque chose. Un petit ML, un petit... Non, non, pas un petit ML, je veux un 4 étoiles ou 5 étoiles. Les 3 étoiles, j'en ai rien à claquer. Ok. Viens à la maison, Violet. Viens à la maison. Ça va pas transformer. Mais c'est un 4 étoiles. Ok, ça va. Celui-ci va commencer à devenir intéressant avec le nerf de Sermine. Un petit ML, là. Non. Sermine, viens à la maison. Je sais que tu veux venir à la maison. Là, je le sens. Au plus profond de moi. Qu'on va voir un truc, là. Ouais. Ou pas. Allez. Bah, j'ai dit un petit ML, après. Oh, voilà. Voyez ce que ça me coûte de dire un petit ML. Un double Mirza. Par contre, ma Mirza, est-ce qu'elle est SSS maintenant avec tout ce business? Je sais pas. On verra bien. Allez, au moins, on finit sur une grande chose, une belle chose. Un truc qui va faire que je vais pouvoir aller dormir avec le grand sourire. Tac! Négatif. Ok, donc on a réussi à avoir un 5 étoiles. C'est un doublon malheureusement, mais un doublon qui va rester utile. Luluka, encore une fois, je ne l'ai pas 6 stars. Donc nickel. Je vais pouvoir économiser un fodder et en même temps gagner l'imprint. L'imprint de Luluka, c'est déjà quoi son imprint à elle? C'est déjà quoi l'imprint à Luluka? Voyons voir. Tac, c'est. Attaque. D'accord, attaque pour toute l'équipe. Ah, c'est cool. C'est cool, parfait. Ok. Sur ce, on continue sur les Nectrolls. Nous revoilà pour aujourd'hui. Un petit truc de spécial en plus avec, qui va aller avec les 60 invocations. Là, ça va, on va arriver au 60e invocation. Je suis arrivé enfin au daily logging avec le ticket 5 étoiles. Ce que je veux absolument dans ce ticket 5 étoiles, c'est Violet. Si par exemple ça tombe sur un doublon Vildred ou un doublon Charles, m'irait très très bien. Donc on va croiser les doigts pour espérer avoir Violet qui vient à la maison. Hier j'ai eu Luluka. Violet, viens à la maison. Allez, viens à la maison, Violet. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Cette scène, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Lydika était mon dernier aussi ticket 5 étoiles que j'avais reçu sur... c'est le deuxième. C'est le deuxième Lydika que j'ai sur un ticket 5 étoiles. Ok. C'est... comment on appelle ça? Ces imprints sont des imprints attaque, donc ça va. Maintenant, on va passer au truc que tout le monde attend, c'est les 10 invoques. Je ne vais pas faire mes mails encore ce soir. Ça attendra une prochaine vidéo pour ça. Donc maintenant, on va espérer réussir à sortir un petit ML Selector, un 5 étoiles ou un truc comme ça. C'est parti, on commence. Il n'y a rien du tout. Adley. Peut-être que Violet va venir ici, hein. On ne sait jamais. Hein. Moi, ça me referait à fond. Pourquoi Violet est cosplay en Didika? J'avoue. Foutu, tête violette, hein, ça me rend dingue. Rien du tout. Alors. Chloe. Un petit proc violet là. Allez, un petit proc violet, ça me referait bien la santé. Ah, Violet ou Crimson Armin. L'un des deux me referait la santé. Ça veut pas proc. Rien ne veut proc. Ouais, sa grosse tête est bloquée dans le portail, c'est clair. On veut toujours plus, on veut du ML 5 étoiles, on veut du Céramine, on veut du on veut des procs. Là, on est arrivé au moment où on veut des procs. On est arrivé au 6, c'est des procs maintenant qu'on veut maintenant. On essaie même plus de vouloir quelque chose de bien, on veut juste que ça proc une fois, tu vois. Ah, voilà. Viens à la maison, Violet. Transforme. Ah, ça peut se transformer à gauche? Non. Dommage. Qu'est-ce que c'est? Oh, Strax, ça c'est bien ça. Ça c'est parfait parce que je suis en train d'en monter un deuxième et j'en avais besoin de ça. Donc on continue. Let's go! Encore, allez! Allez. Viens à la maison, Violet! Viens à la maison, Violet! Ça peut se transformer à gauche? Ça peut. Non, ça peut pas. À chaque fois, ça me bait.
Ok, Rose Argana. Ah, je suis en train de finir de monter le deuxième, donc ça me va. Dommage. Est-ce qu'on va finir sans 5 étoiles? Encore un petit proc, un petit 5 étoiles juste pour le plaisir des yeux? Ah, dommage. Je crois que ça va être l'abandon d'un homme. On va laisser tomber, on ne veut plus rien. Adley, laisse-moi tranquille. Donc là, c'est le dernier. Je vais prier avec toute mon âme, tout mon être. Je vais lever les mains dans le ciel et espérer que Violet vienne à la maison. C'est maintenant, tout de suite, là. Ta! Pff, fuck. Eh ben, on n'a rien. Eh ben, on n'a rien du tout. On n'a rien eu. On a eu 2-4 étoiles. C'est tout ce qu'on a réussi à avoir. Bon, pour l'instant, on est dans une rotation assez rigolote. Un jour, on a quelque chose, un jour, on a rien. Un jour, on a quelque chose, un jour, on a rien. Donc, ça veut dire que demain, j'ai quelque chose, alors. Bon, bref. Sur le ticket 5 étoiles, j'ai eu encore une fois un doublon Lilica. Un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Mais c'est un doublon offert, donc c'était juste à moi de Loxac, j'ai pas réussi. Bref, les derniers 10 rolls vont arriver et j'espère qu'ils vont être meilleurs que cela. Nous voici enfin pour les derniers 10 draws qui vont avoir lieu. Et j'espère que je vais réussir à aussi bien terminé que j'ai commencé. Alors là, je vous mets un peu dans le contexte. On est mercredi midi. Et vu que je sais pas comment ça va se dérouler ce soir, je sais pas si je vais pouvoir roller comme à mon heure habituelle ou quoi que ce soit. Parce que peut-être qu'il va y avoir une maintenance. Certainement qu'il va y avoir une maintenance parce que c'est bien entendu le gros jour avec l'énorme mise à jour avec tous les rebalances des personnages. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations sur Stov. Je ne ferai pas de vidéo sur le patch là-dessus parce que je suis un gros flemmard et que ça me saoule de le faire. Il y a tellement de trucs que ça me rend dingue. Je préfère honnêtement en parler en stream. Et voilà, c'est le reset. Maintenant, on va pouvoir aller invoquer. On va invoquer directement tout le tralala. Et là, j'ai un message. Ok. Voilà. Ok, let's go. C'est les 10 dernières invocations. On va réussir à finir aussi bien qu'on a commencé. Pour l'instant, toujours un... Je sais pas pourquoi il y a toujours un petit lag sur la première invocation ici. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais bon. Au total, tout ce qu'on a reçu pour l'instant, c'est pas mal de bonnes choses. Il y a eu des jours où on a rien eu. Des jours où on a eu quelque chose. Et... Là, au moins, on commence. On commence plus tôt. Ça peut se transformer, allez. Non, ça allait beaucoup trop vite pour que ça se transforme. Faut que ce soit plus au ralenti. Un panier d'infini, c'est pas un que ça me plaît trop d'avoir en doublon parce que je pense que avoir un seul max, ça suffit sur celui-ci. Mais bon. Donc on va essayer de Loxac encore sur les 5 derniers qui restent. Je serre bien fort mon gris-gris en pensant à un ML 5 étoiles, un M nouveau, j'ai déjà les ML Selector, mais je veux dire, un ML Selector ça me permettrait de pouvoir re-choisir, enfin de pouvoir garder celui-ci, de le choisir derrière. Ah ça, non ça va trop vite. Ça va trop vite. Encore une fois, ça va beaucoup trop vite. Normalement, ça va un petit peu plus lentement. Il y a moyen de griller quand c'est ceux qui se transforment. Ah, Magara Tom, ça, c'est intéressant encore. Mais il nous faut un 5 étoiles ou un ML. Un ML 5 étoiles. Un ML 4 étoiles. Crimson Armin qui puisse venir sur les 2 dernières invocations qui me restent. Non. D'ailleurs, j'ai des invocations ML. Je vais pas les faire dans cette vidéo-là. Je les ferai après la mise à jour. Quand il y a les portes des enfers, parce que je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il y a... Après c'est de la superstition, hein, mais j'ai la sensation quand même qu'il y a... les rate-up sont meilleurs à ce moment-là. Donc c'est la dernière invocation. Après ce sera terminé les 70. Merci Smilegate en tout cas de nous avoir offert toutes ces invocations. Et on va voir si on peut Loxac now. Allez, 5 stars. Ah, ça peut... Ça... Ouais. Allez, violet. On fait un termine bien. Oh, 16. Ok, 16. Ça va. C'est un doublon. Bah, 16 est quand même l'un de mes premiers 5 étoiles.
Et depuis le temps que je joue depuis le début de la globale, c'est mon premier doublon de 16. Donc, ok. Et il n'est pas 6 stars, le mien. Le mien, il n'est pas 6 étoiles. Donc, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Vu que j'ai la sensation que pour le futur RTA, Real Time Arena, il pourrait devenir assez intéressant. Et aussi, entre parenthèses, il est pas mal bon dans le trial, enfin dans le Hall of Trial. C'est la salle de calvaire en français. Ouais, c'est la salle de calvaire. Mais on a réussi. Aloxac quand même un dernier 5 étoiles. C'était un doublon. Donc résumé, qu'est-ce qu'on a reçu jusqu'à présent? Quelles sont les 5 étoiles qu'on a réussi à obtenir? Au niveau artefact, durant ces 70 invocations, je n'ai rien eu. Enfin, artefact 5 étoiles, je n'ai rien eu. Au niveau personnage, par contre, il y a eu des bonnes choses. Donc, il y a 16 qu'on vient de voir. Ensuite, derrière, il y a 2 jours, j'ai eu Luluka, qui est un doublon. D'ailleurs, je suis très très content du doublon de Luluka, parce que la mienne, elle n'est pas 60, et que c'est un personnage que je veux passer 60 au bout d'un moment. Car je trouve qu'elle est extrêmement forte, avec le buff qu'elle a reçu, elle est encore plus forte. J'en ai pas véritablement besoin d'elle pour ma Viverne, parce que j'ai suffisamment de perso pour faire la Viverne sans trop de problèmes. Mais c'est surtout pour le futur PVE. Le kit qu'elle possède est très très fort, double break def et le buff défense. Très très bon personnage pour PVE. Et aussi une excellente morale, parce qu'elle a la même morale que Izeria, qui fait partie des tops. Ensuite, on a eu Tenebria en tant que nouveau. Ça, je crois que c'était le 3e jour. Et le gros jackpot des 70 rolls, c'est quand même dans la toute première invocation qui a filé directement Dark Orvus. Dark Orvus qui était un de mes choix pour possible ML Selector. Maintenant, j'ai plus besoin de choisir, donc je suis très très content. Et ça me permet de pouvoir partir sur d'autres personnages. À ce sujet-là, des ML Selector, je vais en parler en stream ce soir. Donc soyez là pour venir mater, ce sera donc mercredi soir, hein, on va en parler. Je vais répondre aux questions sur les ML Selector, qu'est-ce que je pense de toute cette situation-là. Petit spoiler, déjà, pour ceux qui regardent la vidéo ici, mon avis, je le dis rapide, ML Vidred, faut garder, ML Ara, ça dépend véritablement de beaucoup de vous-même, parce qu'elle reste très bien malgré malgré son changement, malgré son nerf, elle reste très très correcte. Son S3 est toujours aussi fort. Et ce qui rendait fort le S3 de Ara, c'était quand même les stuns. Elle perd un burn. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'était vraiment un problème, ça? C'est surtout le stun et le fait de gagner un tour supplémentaire face à l'ennemi. ML Ball est celui-là qui a les grandes chances d'être échangé par pas mal de monde au vu du changement qu'il a reçu. Et Crimson Armin, je trouve que malgré son nerf, qui a pris la plus grosse baffe, à mon avis, même comme ça, elle reste la meilleure sur ce qu'elle fait. C'est le meilleur personnage pour réduire les dégâts que prend ton équipe. Et il y a toujours son S3. Qui donne invulnérabilité, qui reste extrêmement fort pour gagner un tour de jeu. Ça ne change pas. L'immunité au debuff, lui perd un tour, mais l'invincibilité reste là. Donc, encore une fois, ML Vildred, lui, va être gardé par la plupart des joueurs, parce que son nerf, c'est celui-là qui a eu le moins. ML Ara, ça dépend de vous, honnêtement. ML Ball, il y a des grandes chances que beaucoup de gens l'échangent. Crimson Armin, je pense que vous pouvez la garder. Mais j'ai aussi entendu pas mal de joueurs PVP, en tout cas dans les gros joueurs, qui disent d'échanger Crimson Armin pour genre Auxiliaire Lots. En fait, ils disent d'échanger Crimson Armin pour avoir une meilleure attaque. Donc, généralement, Auxiliaire Lots, BBK, enfin, Bloodblade Karin, ML Karin, etc, etc. Ou Changer de Mignol, si vous voulez. Mais moi, mon conseil principal, c'est si vous voulez vraiment changer quelque chose, suivez plutôt à ce qui vous plaît. Parce que au final, si vous prenez un personnage juste pour la méta et qu'après vous vous sentez forcé de le jouer juste pour gagner, vous n'allez pas véritablement kiffer. Tandis que si vous jouez un personnage que vous kiffez jouer, ou kiffer jouer, que ce soit Cara Design, les sorts qu'il fait, ou juste le plaisir de l'avoir,
Bah c'est encore mieux. Vous êtes plus enclin de vous amuser et de passer un bon moment. Et c'est ce qui est important. C'est de passer un bon moment quand même. Voilà. C'était mon petit avis là-dessus. J'en parlerai plus en détail de tout ça, encore une fois, en stream ce soir. Donc n'hésitez pas à passer. Sur ce, c'est terminé. Merci encore une fois Smilegate pour ses invocations. Ça fait super plaisir. Je crois que j'avais pas annoncé qu'est-ce que j'avais eu dans le ticket. Mais on l'avait, on le voit juste avant, de toute manière. J'avais eu Lilika, voilà. Donc c'était le petit truc que je me rappelais pas. Mais au final, c'est terminé. Les joujoux sont finis. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux trucs avec la mise à jour de ce soir. Mais on verra bien, on verra bien. En tout cas, s'ils rajoutent des trucs supplémentaires, vous le saurez. Sur ce, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous si vous avez kiffé. Et aussi, bien entendu, activer la petite cloche de notification pour savoir quand je lance une vidéo. Puis, si vous voulez me retrouver ailleurs que sur YouTube, Facebook, Twitter et, bien entendu, Twitch se trouvent dans la description. Bien entendu que mon Discord. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous avez obtenu. Est-ce que vous êtes content de ces frises invocations? Est-ce que vous avez reçu quelque chose de cool? Est-ce que vous pouvez dire avec fierté « Yeah, merci Smilegate, je suis ressorti comme un homme nouveau, un homme reform. » N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu. Si vous n'avez pas eu de chance, je suis désolé. Mais vu qu'ils ont déjà fait ça une fois, je pense qu'on peut imaginer que ça risque de arriver à nouveau. Qui sait pour Noël? Voilà. Tout ça est dit, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine. À plus tout le monde.